Salut mes petites beauties, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec un haul du magasin Nose. Alors, je vous ai pas habitué à ça, mais c'est un petit haul. Hein. Je risque pas d'écrire big haul pour une fois dans le titre de la vidéo, parce que franchement, j'ai pas trouvé grand chose. C'est encore de la nourriture, tout ça. Je vais vous montrer mes petites trouvailles. Juste avant, je vais vous présenter des produits que j'ai reçus gratuitement. Alors, c'est des cils magnétiques en fait. Donc, j'ai eu ceci et ceci. Hop, je vous mets le lien dans la barre d'informations du site si ça vous dit d'aller voir. Alors, j'ai voulu tenter ma chance de faire partie des testeuses en fait. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi je ne sais pas combien de personnes. Et je suis trop contente parce que j'avais envie de tester le produit. Je voyais que ça tournait pas mal dans des vidéos de youtubeuses que je suis et que je ne suis pas. Et j'avais trop envie de tenter, de les tester à mon tour en fait. Ce sont des cils magnétiques. Donc la boîte, je vous montre à l'intérieur. Donc j'ai déjà regardé, c'est pour ça que lui il est pas très droit, parce que j'ai déjà un petit peu fouillé pour voilà, connaître un petit peu le produit. Donc là je cache parce qu'il y a un miroir. La boîte elle est très très jolie, donc on voit le reflet forcément. Et par contre ça laisse un petit peu des traces de doigts comme vous pouvez voir, mais bon ça après c'est pas très grave. Alors c'est des fossiles, le kit il est à 25€. Je vous confirme ça quelque part ici parce que je ne suis pas sûre. Et de toute façon je vais mettre le lien dans la barre d'infos pour être sûre. Et du coup vous avez les détails avec l'œil gauche et l'œil droit. Et je vais vous montrer de plus près. Ce sont des fossiles en fait magnétiques à effet naturel. Et on voit que ça fait pas un poil type du tout, comme ceux d'autres marques qu'on peut tester. Et que ça fait vraiment bas de gamme là, pas du tout. Ça fait, vous voyez là distinctement les trois barres magnétiques. Donc il suffit de poser sur l'œil, de bien clipser tout ça. Je vais pas faire la démo parce que j'ai déjà mis du mascara. Et puis je préfère refaire une vidéo spéciale genre tuto make-up. Si ça vous intéresse, faudra que je fasse ça sur ma chaîne. Et aussi sur Instagram, je ferai une mini vidéo qui dure d'une minute. Et je ferai la pose d'un œil pour comparer à l'autre le volume que ça donne en fait. Voir la différence. En tout cas, comme vous pouvez voir, ils sont super chouettes. Ça fait pas du tout cheap du tout. Et je suis trop contente de pouvoir les tester. Et je vais vous montrer, il y avait ça aussi dans la boîte. Et au niveau de l'envoi, il est très 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 soigné. Franchement, rien à dire. Ça c'est la petite pince pour ceux qui n'aiment pas genre mettre avec les doigts, qui préfèrent travailler avec la petite pince pour choper le cils. Donc j'ai voulu tester parce que j'étais curieuse de savoir comment ça pouvait tenir, parce que normalement on met de la colle hein. Et je suis une meuf qui n'est pas patiente du tout pour l'application des faux cils. Du coup c'est pour ça que j'en mets très très rarement. Il doit me rester une paire ou deux là, et faut que je les balance parce que ça ne m'intéresse pas au final de mettre ça. Et l'autre coffret, il y a trois produits. Donc ici vous avez toujours une pince avec le logo de la marque écrit au fond. Le gros rond ici, c'est une paire de cils, je vais vous les montrer. Hein. Ça fait en plus un petit miroir aussi. Donc ça fait genre un miroir de poche, donc c'est cool. Avec une paire à l'intérieur. Ils sont plus longs ceux-là, j'ai l'impression qu'ils sont très très beaux. Et ici, ça sert à rien que je vous l'ouvre, mais il s'agit d'un eyeliner. Voilà. Donc j'ai lu aussi un petit peu sur les notices explicatives. Apparemment, il faudrait mettre le trait d'eyeliner et une fois qu'il n'est pas encore tout à fait sec, appliquer le faux style. Donc je regarderai tranquillement, j'ai déjà un petit peu regardé les produits avant de vous les présenter, voir ce que ça donnait, si c'était cheap ou pas, la qualité, tout ça. Bon, franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Mais c'est vrai que j'ai pas encore essayé d'appliquer le produit. Je prendrai bien le temps parce que, comme je disais il y a quelques minutes, je suis pas une meuf qui est vraiment patiente pour tout ce genre de trucs en fait. Il faut que je prenne le temps de bien me faire au produit, tout ça. Et là, c'est plus un haul Nose que je vais vous montrer. Donc, je voulais quand même présenter le produit parce que je l'ai eu gratuitement. Donc, la moindre des choses, c'est de présenter le produit quand même en retour. Et du coup, je suis trop contente et j'en reparlerai sur Instagram et je ferai une vidéo genre tuto. Puis je mettrai la pause et je vous donnerai mon avis si c'est un top ou flop. En tout cas, je pense que ça va être nettement mieux que l'application de se faire chier avec le tube de colle. Moi j'ai horreur de ça et en plus je galère pas mal. Du coup, merci encore une fois à la marque de m'avoir envoyé gentiment ce produit. Et je vous mets toujours le lien dans la barre d'informations. Et sachez qu'aussi avec le site, si vous voulez y aller, je ne vous oblige absolument pas à acheter, hein, qu'on soit clair. Mais vous bénéficiez d'un code promo de 40% sur l'ensemble du site, quel que soit l'article que vous voulez acheter sur le site. Grâce au code BEAUTY40 que je vais afficher ici, et ben vous avez une remise de 40% sur le site. Voilà. Ensuite, du coup c'est tout. On va passer à mon haul Nose. Alors on va commencer pour une fois par un fringue. C'est tellement rare que j'en achète des vêtements à Nose. Pas parce qu'ils sont pas de qualité, simplement parce que soit c'est jamais à ma taille, soit c'est pas à mon goût. Et là pour une fois, trop contente d'avoir trouvé ceci.
Donc je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouais. Bon, ça, c'est de couleur kaki, hein, sorti à mon pull Kiabi d'ailleurs, kaki. Et je suis à fond dans le kaki en ce moment. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc c'était un legging et il était seulement à 1,99€. Et c'est de la marque Ardennes. Donc il y en avait aussi en noir, en blanc, motif fleuri. Mais c'était pas la même texture que ceux-là. Ils sont plus, on va dire, élastiques. Un peu plus pour ceux qui font du sport, les autres. En motif fleuri. Il y avait aussi des genres de simili-cuir. Et c'était tout à 1,99€. Donc franchement, bonne affaire. Il y avait des vêtements aussi de la marque IKKS, là, un truc comme ça, qui valent vraiment cher parce qu'il y a encore le prix d'origine. Mais j'ai pas trouvé malheureusement dans mes goûts ni dans ma taille. Bref. Et là, ce petit legging, il est sympa. La qualité, elle a l'air d'être là. Ça a l'air d'être très bien cousu, quoi. Il n'y a pas de fil qui dépasse, tout ça. Et je crois que c'est des vraies poches en plus, là. Je ne suis pas sûre. Non, ça s'ouvre, mais c'est une fausse poche. Voilà. On va perdre du temps, c'est pas grave, je le remettrai après. Bref, pour 2€, et si ça ne va pas, je garde le ticket et au pire, je ferai un retour. Et le reste, normalement, c'est de la nourriture à part quelques accessoires. Bon, j'ai trouvé ceci, du coup, des petites gourdes compote pomme raisin. Et c'était 1,35€ le pack. Donc j'en ai pris un. J'ai pris également ceci, donc de la marque Materne. Les autres aussi, hein, c'est de la marque Materne. Vous avez 4 gourdes cette fois-ci, pommes, abricots. J'ai jamais goûté cela, je verrai bien ce que ça donne. Et c'est bio et ils sont un peu plus chers. Du coup, ils étaient au prix de 1,79€. Ensuite, j'ai repris des... Enfin, j'ai repris. La dernière fois, ils avaient un arrivage, mais c'était pas le même emballage, la même marque, etc. en fait. Mais du coup, j'ai repris, bref. J'en achète souvent des trucs comme ça. Ce sont des galettes de riz. Et du coup, c'était 61 centimes le paquet de combien de grammes? De 130 grammes, voilà. J'ai pris ensuite des... Je sais pas si j'en avais acheté la dernière fois. Je me rappelle plus. Bref, j'ai acheté des petites gaufrettes comme ceci, hein. Chocolat et riz soufflé. Et c'était 99 centimes le lot de 4 gaufrettes. Donc je trouvais que ça faisait pas cher du tout. L'ensemble du lot, il fait combien? 148 grammes. Après, je me suis trouvé de la marque Kellogg's, du muesli, c'est ça, hein? Donc il y avait aussi aux fruits rouges, pardon, si ça vous intéresse. Moi, j'ai pris celui qui était au chocolat avec des copeaux caramel, etc. Et c'était 1,59€ les combien de grammes? Je ne sais pas. Les 450 grammes, voilà. Après, j'ai craqué sur ça. Des petites boules au chocolat, enfin c'était praliné, puis un... Ils disent que c'est au cappuccino, genre café, tout ça. Donc on s'en fout le café. J'avais déjà goûté des trucs comme ça. Il y a 125 grammes et c'était 99 centimes. Il y avait aussi au chocolat blanc. Et à l'intérieur, c'était un genre de confiture à la fraise. Il y avait aussi aux noisettes avec praliné noisette. Mais l'extérieur du chocolat, c'était au chocolat noir. Et il y avait aussi un autre, mais au tiramisu. Ouais. Donc moi, j'ai pris celui-là. J'en ai encore pris des lots de barres, j'en ai pris pas mal. Ensuite, j'ai pris ceci, des tenders. Non, c'est pas des tenders. À chaque fois, je sais pas pourquoi je dis des tenders. C'est pas les roll-on, là, bref. C'est les crunchy break, ceux-là. À chaque fois, je me trompe. Bref, alors, c'était 1,29€ le paquet, que ce soit tout choco ou nature choco. Et vous avez combien de grammes? 156 grammes dans le paquet. Vous avez autrement dit 6 barres à l'intérieur. Et c'est super bon ces trucs-là, j'adore. Et du coup, j'en ai pris. Je préfère ceux-là que ceux-là, bien que ceux-là, ils sont délicieux aussi. Et de toute façon, c'est même pas la peine. Enfin, je dis que j'adore, mais je sais même pas si j'en aurai une parce que Clément, à mon avis, il va tout manger. Je suis en train de regarder là, je vois que je n'ai plus de batterie à ma caméra. Du coup, je fais pause et je vous retrouve tout de suite. C'est bon, j'ai branché ma caméra, mais je pense que la luminosité, du coup, elle a changé. Bref, du coup, c'est parti, on continue. J'ai acheté ensuite ceci. Vous allez dire, encore des assiettes en carton, mais tu les collectionnes, c'est pas possible. Ouais, franchement, je commence à avoir pas mal de paquets à la maison, mais je sais pas, à chaque fois, je craque parce que c'est des motifs différents et tout. Je reconnais une pote, là, qui me regarde, si elle me regarde, bien sûr, encore se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en avais besoin, enfin c'est bientôt mon anniversaire, donc enfin voilà, il y aura un bout de gâteau. Et bref, ça valait le coup, puisqu'à l'intérieur, vous en avez 20, et c'était 99 centimes, donc il y avait d'autres motifs. J'ai pris que ça, j'étais raisonnable, voilà, félicitations Laura, c'est bien. Mais bref, aussi ces motifs-là, enfin c'est pour aussi genre Noël, tu vois, ça a sorti, enfin bref, j'ai craqué, je sais, j'aurais pas dû, ça servait à rien du tout, mais c'est pas grave, ça sert toujours. Ou un jour, par exemple, j'ai la flemme de faire la vaisselle, et ben je mets dedans, voilà. Il y en a, ils vont peut-être dire, ouais, t'as pas honte, hein. Bref, je sais qu'il y en a qui font comme moi quand ils ont la flemme de faire la vaisselle. Voilà. Bref, on continue. J'ai trouvé ça, ouais, hop, du dentifrice.
Donc de la marque Signal, vous avez deux tubes à l'intérieur de 100 ml et c'était 1,59€ pour le lot de deux. Donc je trouve que ça faisait pas cher. Bien que quand on regarde les promos, tout ça, des fois il y a les 4 tubes de dentifrice Aquafresh, hein, 1,99€, un truc comme ça. Ça vaut le coup aussi, mais là, j'étais chez Noz, du coup je les ai pris. Après j'ai pris des tucs. Par contre le prix, désolé, il n'y a pas l'étiquette dessus. Je pense que c'était 40 centimes, je suis pas sûre, mais ça dépassait pas les 50 centimes en tout cas. Donc un petit paquet de tucs, il y a combien de grammes à l'intérieur? 100 je crois. Ouais, 100 grammes, voilà. Ensuite je me suis pris ça, donc trop content d'en avoir trouvé. Il y en a vont me dire que c'est pas bon pour la santé, blablabla, mais bon j'ai pris quand même. Donc c'est du sucre, enfin genre stevia quoi, du édulcorant en poudre. Donc 2,49€ le pot de combien de grammes? De 500 grammes. Je voulais en prendre plusieurs, mais j'en ai déjà pris qu'un parce qu'à la maison il me reste aussi un petit truc de stevia. Enfin bref, j'ai du stock en machin aussi. La date, ça va, c'est jusque septembre 2021, donc ça va. Peut-être que je reprendrai la prochaine fois, je verrai. En tout cas, ça c'est bien justement pour mettre dans le café ou quand tu fais des trucs pour remplacer le sucre qui est calorique. Du coup, je prends ça. Après, je me suis trouvé de la marque Jordan du muesli, crunchy muesli. Donc ça, je kiffe. J'ai pris deux paquets. Donc comme vous pouvez voir, c'est à la fraise. Il y a 400 grammes à l'intérieur pour 1,79€. Et je me suis pris deux paquets parce que c'est super bon. En plus je les vends super vite ces trucs là. Après j'ai pris des rasoirs. J'en avais pas utilité, enfin Clément parce que c'est pour mec. Enfin après je m'en fous, moi je prends des rasoirs mec, je m'en fous, bref. J'ai pris, enfin, on en avait pas besoin, mais c'est parce que tout simplement ils étaient dans le bac à 50%. Du coup c'était 88 centimes les 6 rasoirs, ça faisait pas cher. Et c'est des 3 lames je crois en plus. Ouais, 3 lames avec la bande de... Bon voilà, c'est pas des trucs de merde non plus quoi. Après j'ai pris ça, pareil j'en ai pas besoin, mais il y a un moment on cherchait à remettre un petit peu d'isolant sur la porte, enfin bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de cette maison de merde que je n'aime pas du tout, mais bref, pour claquer un truc à la porte, bref, il me fallait du truc isolant et j'ai trouvé ça, mais je sais pas si c'est les bonnes dimensions, machin truc. Enfin bref, si c'est pas utile maintenant, ce sera pour plus tard. Et en plus, pareil, c'était dans les 50%. Donc au lieu de 2,50€, c'était 1,25€. Et c'est du ruban genre isolant, double face, je sais pas trop quoi. Enfin bref. Après, j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est parti super vite. Je sais pas dans votre nos si vous en avez encore. Il y a aussi des masques de nuit pour les peaux sensibles. Et il y avait aussi des crèmes de main anti-taches et également des sérums pour les lèvres ou pieds. Enfin bref, il y avait pas mal de choix possibles en fait de cette marque là. Et en fait c'est moi ce que j'ai pris, c'est une émulsion de jour hydratante détoxifiante, renouvellement cellulaire pour les peaux grasses. Donc j'ai pas encore vu, je vais vous ouvrir peut-être si vous avez envie de voir à quoi ressemble le flacon, parce que même moi je me le demande d'ailleurs. Et c'était 3,99€ et je les vends super vite ces trucs là. Il y en a, ils vont me dire pourquoi tu dis que tu les vends super vite. C'est juste parce que je travaille à Noz en fait. Donc il y en a comme ils sont nouvelles, ils savent pas, mais du coup j'en passe pas mal en caisse en fait. Et les clients me disent que ça vaut 50€ apparemment, enfin ou 49€ cette crème là. Du coup je dis ah bon, moi je ne les connaissais pas du tout. Et du coup j'ai dit j'espère qu'il en restera encore quand ce sera mon jour d'ortho pour en acheter. Et du coup ça va, il en restait 3. Ah ouais, ça fait beau quand même. Waouh. Ça fait un beau pot. Ça fait genre rose nacré la crème. Enfin, d'après ce que ça donne. Franchement elle est belle. Ça fait pas cher du tout. Je regarderai moi-même combien du coup sur internet ce qu'ils en disent de cette marque là. Et apparemment c'est un très très bon produit. J'ai pas cherché à trouver la crème de main anti-tache. Et puis... Le soin pour les lèvres, je me suis dit bon, un beurre de cacao ça suffira quoi. Et sinon d'autres produits qu'on avait, c'était avec du venin de serpent, tout ça pour le contour des yeux. Enfin je vends ces trucs là aussi super vite, mais bon j'ai pas pris, j'ai pas cherché à en prendre. Ensuite dans le bac accessoires coiffure, j'ai trouvé ça pour ma petite soeur, une petite brosse à cheveux à 69 centimes, avec le thème genre princesse. En plus elle aime beaucoup la belle, du coup je lui ai pris ça, faudra que je lui donne. Après j'ai trouvé ça à 89 centimes, une petite brosse pour nettoyer, ben, tout simplement ce que vous voulez. Mais moi ben, c'est écrit après brosse à ongles en plastique, tu t'en sers pour ce que tu veux. Mais justement moi c'est pour les ongles, enfin ceux de Clément aussi, parce que des fois c'est crade quand il fait du bricolage machin truc. Donc voilà, j'en ai pris une. Et j'ai pris ensuite des pansements. Donc il y en a 37 à l'intérieur pour 99 centimes de pansements qui résistent à l'eau. Puis en plus ils ont un petit motif. Bon après ça je m'en fous qu'ils soient un motif ou pas. Mais bon voilà, vous en avez des différentes formes. Hein. Vous avez des gros rectangles, des comme ça alignés. Là, avec un petit genre alpaga là.
Voilà. J'aime bien parce qu'ils sont larges, parce que des fois, tu en as dans des boîtes, tu t'en sers des larges, et puis après, tu te retrouves avec le reste de la boîte, ça t'intéresse pas, c'est des tout fins qui te servent à rien. Enfin, je parle dans mon cas. Et des tout petits ronds aussi qui servent à rien du tout. Par contre, là, des gros épais comme ça, ça c'est bien. Voilà. Après, j'ai encore pris des galettes, mais cette fois-ci, c'est au maïs. Les autres, c'était au riz, et celles-ci, c'est au maïs, donc elles sont sans gluten, et c'était 61 aussi. Voilà. 61 centimes le paquet aussi, ouais. Et je connaissais pas cette marque-là, Sunclade. Donc 130 grammes, ça faisait pas cher. J'ai repris ensuite du stock de paquets de chocolat. Donc de biscuits au chocolat, ouais. Donc c'était 55 centimes le paquet, j'en ai pris 4. Je vous montre, 55 centimes. Il y a 150 grammes à l'intérieur. Il y avait aussi à la fraise, des natures, à la noix de coco et à la vanille. Et ils sont trop bons. Franchement, ils sont trop bons. Et j'ai pris ceux-là aussi pour tester à la noix de coco. Après, fraise, ça m'a pas tenté plus que ça pour le moment. Vanille non plus. Et nature, bah non. Voilà. J'espère que ce sera bon aussi celui-là. Donc 150 grammes également. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé ça. Trop hâte de tester, voir si dans le bain ça sent bon. Donc c'était 99 centimes. Et ce sont des sels de bain à la papaye en fait. Ça sent la papaye. Et je vais l'ouvrir déjà. Oh, tiens, on va sentir ensemble. C'est vrai que j'ai pas pensé à sentir. Ça tombe, ça pue. J'espère pas. Ah non, ça va, ça va. C'est pas une odeur de fou qui dit « Oh, je kiffe », mais non, franchement, ça va. Ça sent bon. Et du coup, je me ferai un bain avec. Enfin, plusieurs quand même, parce que ils disent pas, tu peux en faire ajouter 2-3 cuillères de sel de bain à l'eau tiède. Bon, bon, je vais mettre une bonne dose. Parce que moi, quand je prends un bain, je mets de la mousse, plein de produits dedans, je kiffe. Enfin, j'en profite de mon bain, parce que c'est pas tous les jours. Voilà, après, j'aurais dû en prendre deux d'ailleurs, je suis con. Mais sans savoir l'odeur, c'est vrai. Après, j'ai vu qu'ils faisaient des gels douche aussi à la pastèque, au mojito, tout ça, dans un packaging rouge et des lotions aussi. Mais j'ai tellement de gels douche et en fin d'année, je vais aller en Allemagne au marché de Noël. Donc, je vais faire le magasin DM et je vais acheter du stock aussi de gels douche. Du coup, faut que j'en achète pas trop. Je dis ça, mais je suis pas crédible du tout puisque j'ai craqué sur deux shampoings alors que c'est pareil, j'aurais pu attendre d'aller au magasin en Allemagne pour faire du stock de shampoings aussi, mais c'est pas grave. J'ai voulu prendre celui-là, bientôt je vais retravailler mon blond, très prochainement je vais chez le coiffeur en fait, et je vais retravailler mon blond, du coup j'ai pris ce shampoing pour tester pour cheveux blonds. Donc il était à 1,10€ et c'est de la marque Dove, j'ai jamais testé, j'ai senti l'odeur, il sent très très bon. En général Dove, de toute façon ça sent bon, la crème, tout ça. Donc c'est un format de 250 ml et je verrai bien ce que ça donne, j'ai jamais testé cette marque-là en tant que shampoing. Et j'ai pris celui-là aussi en format de 400 ml cette fois-ci de la marque L'Oréal Elvive. C'est pas L'Oréal Elsève d'avant? Ouais bref. Donc c'est le shampoing en fait anti-pelliculaire. Et il était à 2,67€. C'est ça, un shampoing anti-pellicule sans silicone en plus, c'est cool pour les cheveux normaux. Bon, après, moi ils ont tendance à régresser vite, mais bon, aux huiles essentielles, machin truc, je verrai bien ce que ça donne. J'ai pas senti, mais bon, je pense que cette marque là c'est pareil, ça sent bon. Ensuite, je me suis trouvé une tête d'oreiller. Bon, il y en avait plusieurs, mais j'en ai pris qu'une déjà pour voir si c'était les bonnes dimensions. Parce que pareil, moi j'achète, mais je fais pas gaffe aux dimensions. Faudrait que je prenne les dimensions des draps aussi d'ailleurs. Donc c'était 1,50€, donc ça va, ça faisait pas cher. Donc j'ai pris 63 par 63. Il y avait aussi du 60 par 60. 65 aussi, je sais pas. Et plus petit, genre dans les 50, si ça vous intéresse. Et pareil, 1,50€. Il y avait divers coloris, du bleu, du blanc. Blanc, j'aime pas, ça lisse en dessous, je suis pas fan. Du gris, couleur moutarde, il y avait du vert. Mais après, c'était des trucs simples, comme ça. C'est-à-dire que c'est couleur unie, il n'y avait pas de motif spécial, quoi. Mais bon, après... Bon, je verrai bien ce que ça donne. Et c'est du truc 100% coton. Donc ça, j'aime bien. Et pour finir, j'ai pris ça. À 1,75€. Cuit œuf. Voilà. Pour faire des œufs au plat au micro-ondes. Donc pour tester, au moins c'est bien. Je ne mettrai pas de matière grasse dedans. Alors, ils disent préparez vos œufs mollets, durs ou au plat facilement au four à micro-ondes. Pour des toutes autres préparations, ouais. C'est ce qu'ils disent, ok. Et ils font aussi avec l'omelette. Il faudra que je le prenne. Enfin, on voit. Bon, je verrai bien ce que ça donne parce que c'est vrai que j'ai jamais testé. Et il y a de l'eau apparemment à l'intérieur. Bon, 1,75€, bon, ça va. Je verrai bien ce que ça donne, j'ai jamais testé ce genre de truc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère qu'il vous aura plu quand même parce qu'il était petit. Comme d'habitude, pas mal de trouvailles côté alimentaire, c'est ce que je trouve le plus en ce moment. Il y avait une pizza aussi que j'ai pris, mais bon, je ne l'ai pas montré, je l'ai mis direct au congèle. Une pizza 4 fromages spécial micro-ondes d'ailleurs. Buitoni, là, je sais pas trop quoi, à 1,40€, il me semble, un truc comme ça. Ouais, j'ai pris ça. Après, je voulais prendre des glaces, mais j'ai pas trop de place dans mon congèle, malheureusement. Après, côté fringues, j'ai pas trouvé spécialement de choses. Déco non plus. Produits hygiène, y a pas des tonnes. Enfin, bon, j'ai pas craqué. Mais tant mieux, comme ça, au moins, j'achète moins en ce moment. Enfin, après, ça va, c'est de l'alimentaire, donc c'est pas.
des achats inutiles, quoi. Bon, bah voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.